Good morning, Aleid, on est sur aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Befani David ben Fortuna Mazal Fritna et Dvorah bat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions à Sarat Kutuvot Perikhei Mishnah Bet. Notnin la Betola Shnem Asar Chodesh Mishet Va'a Ba'al Lefarnes et Atzma. Ou que Shem Shanotnim la Isha, Kach Notnim la Ish, Lefarnes et Atzma. Vela Almana Shloshim Yom. Igiazman Velo Nisou, Ochlot Mishelo Vochlot Bitova. Rabbi Tarfon Omer, notnin la akol truma. Rabbi Akiva Omer, mechtsa chulin ou mechtsa truma. On a déjà expliqué comment se passait le mariage à l'époque. Il y avait tout d'abord les fiançailles, et après, plus tard, il y avait le mariage. En général, on donnait 12 mois, mais ça pouvait parfois prendre plus. Comme c'était fréquent dans les 10 patelins, on avait. Je me suis déjà mis en accord avec le. Telle personne que je vais marier avec sa fille, mais sa fille elle a probablement 5 ans et j'attends qu'elle va avoir 12 ans. Donc du coup, on faisait les fiançailles comme ça, et on attendait pendant une certaine période jusqu'à qu'elle devienne assez mature, on se mariait comme ça à l'époque. D'accord? Donc, il faut bien différencier. Il y a l'heure hérocine, le moment où on se fiance, et on acquiert la femme. Ça devient une femme mariée, on lui donne l'argent. Si elle a un rapport avec quelqu'un d'autre, elle est passible de mort. Mais malgré tout, pour le moment, on n'a pas le droit de vivre ensemble. On n'a pas fait les shalabrachot, on n'a pas fait la choupa. On a fait les kiddushin, on n'a pas fait la choupa. D'accord? Maintenant, dans une situation pareille, au premier moment s'engager, on n'a pas encore fixé cette date de mariage, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Malgré tout, on a envie d'avoir le lien qui va nous bloquer. Moi, je m'engage, je marie avec elle, elle se marie avec moi, comme ça, ça ne bouge plus. Vient après un jour où je songe à vouloir commencer à vivre avec ma future, ou ma présente, ou ma passée, comme vous voulez. Je commence jamais maintenant de commencer à vivre avec elle. Donc, on va lui demander de se préparer à se marier, à faire la choupa. À partir du moment où on lui demande, alors maintenant, il faut bien comprendre, un mariage c'est aussi une affaire commerciale. Il y a des engagements. Toi tu me dis que tu veux marier, elle réclame, elle veut que je me marie que dans 6 mois, je peux pas, 2 minutes. Je suis en train de faire des affaires, je suis en train de ramasser de l'argent pour qu'on se marie, pour préparer notre mariage, j'ai besoin de 2 ans. Alors combien, comment on fixe? Sur ça, la Mishnah nous a donné de la fraude bien claire. On donne à une jeune fille, vierge, 12 mois, Mishetva'a Abal, le Farneset Atma. Mishetva'a Abal, depuis le moment où le mari l'a demandé, on ne va pas dire le nom de sa main parce qu'ils sont déjà mariés, mais en fait, mais va la demander pour faire la choupa, pour commencer à vivre ensemble, afin que le Farneset Atma, afin qu'elle puisse s'organiser, organiser sa Farnasa, en fait, sa Farnasa, comme une ville partenora. C'est le premier partenora, c'est le tarchitim de se faire maintenant, se préparer tous ses habits et tous ses trucs. Pour le moment, elle a mis ça de côté. Dès que maintenant, on lui dit, bon, ça y est, comment ça se prépare, on va se marier, elle lui dit, alors là, tu me laisses 12 mois, j'ai besoin pour me faire des tailleurs et une robe de mariée et des bijoux et des trucs. 12 mois, on lui laisse. Au keshem, chez notre nim la isha, kach notre nim la ish, les farnes, c'est à son. Et autant que l'on donne, au même titre que l'on donne à la femme pour qu'elle se prépare, on donne aussi à l'homme pour qu'il se prépare, c'est-à-dire le farnas et atzmo, qu'il puisse lui aussi apporter la parnasa, préparer le tzorke seouda. On va lui dire, la femme lui dit, ah, ça y est, on se marie dans 2 mois. Elle va dire, 2 minutes, il faut que je loue un oulam, il faut que je prévoie quel chanteur je vais aller chercher, quelle nourriture on va faire. Ça, je ne fais pas ça sur un coup de tête, j'ai besoin de faire ça posément, d'étudier les prix, où le faire, comment le faire. Donc du coup, on laisse à chacun 12 mois, c'est clair? Chacun, dès qu'on a apporté un mois. Donc c'était comme à l'époque. Et comme ça, il y avait des rabbinim, mais comme ça. Il y avait des rabbinim, ils ne faisaient plus les kiddushin, parce qu'on arrêtait de faire les kiddushin, ça posait des problèmes, vous imaginez bien. Si on fiançait une femme et on lui donnait une bague, si toutefois la femme avait un écart, Chazé Shalom, c'était facile de mort. Donc pour ne pas avoir une situation, on arrêtait. Mais en tout cas, c'était fréquent, il y avait, je ne sais plus, le Roshir Admir. Il était venu il y avait Amir, un super talmid. Rav Lezer de Yehuda Finkel, je crois. Le Roshir Shiva, il avait promis sa fille, il avait dit j'ai un super shidur pour toi. Mais elle n'a que 4 ans, c'était sa fille en fait, et il voulait attendre qu'elle grandisse un petit peu plus. Et comme ça, il a attendu patiemment, il est resté un barcourt en train d'étudier pendant une dizaine d'années à venir. Et puis après, une fois qu'elle a eu l'âge, ils sont mariés. D'accord? C'était comme ça, ils se faisaient des promesses de mariage. À l'époque, c'est la même chose. D'accord? Ils ont fixé que c'est bon, on a fixé, on se marie entre nous. Maintenant, on laisse le temps passer. Après, on commence à se dire, allez, viens, on commence à se préparer maintenant à se marier. On leur laisse 12 mois, chacun pour qu'ils se préparent. D'accord? Ça, c'est pour une jeune fille. Par contre, Vela Almana Shloshim Yom, pour la femme
Almana, la veuve qui a déjà été mariée une première fois. Alors, on se fiance avec elle, et puis dès qu'on lui dit, allez, prépare-toi, on se marie, on lui laisse à elle que 30 jours. Pourquoi on lui laisse que 30 jours? C'est très simple. Si tout le but des 12 mois, c'est pour qu'elle puisse se préparer, se faire son trousseau, préparer... Une almana, elle a déjà été mariée, elle a déjà fait tout ça, elle a déjà quasiment tout prêt, il faut juste finir les petites finitions pour quelque chose. Et donc, on lui laisse que 30 jours, ok? Maintenant, deuxième sujet de la Mishnah. On s'est fixé qu'on allait mettre 6 mois, qu'on a été d'accord pour prendre 12 mois. Ok, on arrive le 12e mois, le mari il nous dit « Ah, mais je suis pas encore prêt, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps. » Qu'est-ce qu'on fait? « Igiazman velonis ou » Si arrive la période qu'ils étaient fixés, et ils n'ont toujours pas été mariés. Alors là, il y a un chidouj de la Mishnah que « Ochelet michelo » Ça y est, déjà, elle devra quand même commencer à manger de la poche du mari. C'est plus le père qui la finance. C'est le mari qui la finance. Elle reste pour manger dans la maison de son père. Mais c'est lui qui paye tout. Toute sa nourriture. Et de ce fait, le Khaled Mitrouma, elle pourra même manger la Trouma. Alors là, il faut expliquer. C'est quoi l'histoire de la Trouma? C'est très simple. La Torah nous dit, Kohen kikne nefesh kinyan kaspo. Lorsqu'un Kohen acquérera une âme, une personne, avec son argent, alors cette personne-là pourra manger la Trouma. Soit s'il s'achète un esclave, un évêque Knaani, le Evet Kanani pourra manger de la Trouma, parce que c'est devenu le bien du Kohen. Idem aussi s'achète une femme. Lorsqu'il marie sa femme, lorsqu'on marie une femme, on acquiert la femme. Se marier avec une femme, c'est-à-dire acquérir la femme. Donc il acquiert la femme devient maintenant la propriété du Kohen, et de ce fait, elle a le droit de manger. Selon ce principe, depuis les fiançailles, elle aura le droit de manger. Seulement, Rami, on m'a décrété que non, on ne va pas lui donner à manger de la Trouma. Pourquoi on ne va pas lui donner à manger de la Trouma? Parce que vous imaginez, moi, ma fille, on est une famille d'Israël. On n'est pas des Kohanim chez nous. On mange tranquillement. Imaginez que maintenant, que ma fille, elle, parce qu'elle a été fiancée avec le Kohen, elle va débarquer à table avec de la Trouma, et on lui dira, oh, ça a l'air bon ce que tu manges, c'est du mexicain thaïlandais, donne-moi, je goûte. Et on va se mettre à manger, on est en train de manger de la Trouma. Pour ne pas avoir une situation pareille, Rachamim m'a instauré, elle ne mange pas de la Trouma pour le moment. Comme ça, au moins, quand le Kohen, le Khatan, il va lui faire un cadeau, il va lui envoyer de la nourriture, un beau plat, bientôt tout bijbat, un beau panier de fruits et de tourma, elle ne va pas faire goûter les autres, donc elle ne mange pas de la tourma. Ça, c'est en théorie. Maintenant, lorsqu'arrive la date prévue pour le mariage, Khachamim a sauré ça et c'est fini, le père ne la nourrit plus, c'est le Khatan maintenant qui la nourrit. Puisque c'est le Khatan qui la nourrit, du coup, la fille, elle va un petit peu prendre des distances avec le reste de la maison. Ouais, elle va s'asseoir à table, mais le père lui dirait, tu ne manges plus à ma table, tu manges à la table de ton mari, qui n'a qu'à se bouger lui pour te marier. Moi, on te fait une table à part. Donc du coup, puisque c'est ça le rapport que maintenant ils vont entretenir chez eux à la maison, que le père il se décharge de la part d'un sa de sa fille, et que c'est maintenant le mari qui la finance, alors du coup, on ne craint plus qu'il va lui donner à manger la trauma, parce que il va lui envoyer la trauma, et de toute façon, elle garde ses distances avec le reste de la famille. Elle dans la maison sans vraiment être là, en fait, d'accord? Donc du coup, on ne craint plus, et on va le laisser manger de la trauma. Maintenant, j'introduis la marloquette qu'on va découvrir tout de suite, c'est très simple. Maintenant, une femme, de manière générale, une femme kohenet qui reçoit de la trauma hein, qu'elle reçoit pour manger, il faut qu'elle fasse très attention. Une femme, elle passe des périodes de cycles, de règles, de menstruation. Et en l'occurrence, pendant cette période, elle est impure. Si elle est impure, elle touche la trauma, elle rend la trauma impure. D'accord? Donc, quand on donne à manger, quand une femme de Cohen, il faut savoir, elle travaille en cuisine pour sa famille que pendant ces périodes où elle est pure. Mais dans les périodes où elle est impure, elle se sépare à l'époque, ils avaient même une petite chambre à l'écart, parce que c'était compliqué de garder la pureté dans la maison avec une femme qui est impure. Et si elle s'assoit sur une chaise et je m'assois après elle, je deviens moi-même impur. Et je suis Cohen, moi je peux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? La femme, quand elle était impure, elle gardait ses distances avec toute la famille, elle avait une chambre à part, elle avait une maison à part, en général elle avait une petite maison à côté. Et comme ça, il n'y avait pas de risque qu'elle va le rendre impur. Qu'elle va rendre impur tous les aliments qu'il y avait chez eux, d'accord? C'est de manière générale. Maintenant, de ce fait, là, on t'a dit que maintenant, si le Kohen s'est fiancé avec la femme, avec la jeune fille, il devrait lui envoyer la trouma pour manger. Maintenant, il faut prévoir aussi que cette fille-là, elle va aussi passer des périodes où elle sera impure, elle ne pourra pas manger la trouma. Pendant cette période-là, tu auras un problème à lui envoyer de la trouma. Comment tu vas la nourrir? Alors, sur ça, il y en a un avis qui va nous dire, mais tu sais quoi, pendant, il faut lui envoyer tout ce que tu lui envoies,
tu lui envoies un paquet, un plateau de fruits, trauma, et un plateau de fruits, roulin, comme ça, elle, elle va décider, selon ses jours de pureté ou d'impureté, elle va manger celui-ci ou celui-là. Mais il y a quelqu'un, hein, ça c'est le deuxième avis qu'on va avoir en fait. Rabbi Akiva, il va dire, regardez tout de suite, Mertsa Khulin, Mertsa Trouma. La moitié Khulin, la moitié Trouma. Rabbi Tarfan, il va dire, non, 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 c'est pas la peine. Tu lui donnes tout de la Trouma. Et si elle a un pur, eh bien qu'elle s'assume elle-même, qu'elle prenne ses fruits, qu'elle les vende en les manipulant de manière permise, qu'elle les vende à une personne, à un autre Kohen. L'autre Kohen, il va lui donner l'argent. Et avec l'argent, elle ira s'acheter des fruits Khulin. C'est pas la peine, toi, de te casser la tête. Toi, le fiancé Cohen qui traîne à la mariée, c'est pas la peine de te casser la tête à lui trouver des fruits roulines, envoie les tout en vrac, et elle, elle se débrouille ensuite de revendre. Elle, ou en réalité, ses frères et sœurs, parce qu'elle, c'est compliqué à manipuler toute la trauma quand on est impur. Du coup, en fait, on parle que... Ouais, allons, te sortir, toi, qu'est-ce que je donne juste l'idée générale, on parle que c'est une fille de Cohen dans une maison de Cohen, où chez eux, c'est facile de gérer ces situations-là. Par contre, si c'était, en fait, une Bat Israël, fiancée à un Cohen, alors là, il pourra pas, on ne va pas lui envoyer que de la trauma, et on va avoir la moitié de Khulin, la moitié de trauma. Je fais tout ça dans les mots, regardez. Rabbi Tarfan Omer, notre Nina a col trauma, on pourra tout lui donner en trauma, même sans se soucier pour les jours d'impureté, qu'elle se débrouille, elle ou ses frères ou son père, d'aller la vendre pour récupérer l'argent, pour qu'ensuite, avec cet argent, elle pourra aller acheter à manger. Tandis que Rabbi Akiva Omer, Mertsa Khulin, Mertsa Trouma, Rabbi Akiva nous dit non, tu ne donnes pas tout en Trouma, tu fais juste la moitié en Khulin, et l'autre moitié en Trouma, parce qu'il faut se soucier pour les jours d'impureté, qu'elle ait facilement de la nourriture sans avoir à lui imposer d'aller vendre. Et que... Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.